je vous retrouve pour cette 6e destination Aïkido en Argentine, et plus particulièrement à Buenos Aires, capitale de cet immense et sympathique pays. Je vais rester sur le même cap que lors de la précédente destination, c'est-à-dire la relation entre Uke et Tori. Toutefois, c'est à l'aide d'un éclairage différent que je vais développer ce concept. Je vais vous présenter les codes. En fait, on retrouve les codes à tous les niveaux, que ce soit le code civil, le code de la route ou le code d'honneur des samouraïs, on peut dire qu'ils font partie de notre vie. En Aïkido, le salut est déjà un code, ainsi que le keikogi ou le port de la kama. Les codes ne sont surtout pas une fin en soi, mais davantage des repères qui nous permettent d'organiser la pratique, l'apprentissage et l'enseignement de notre discipline en proposant un entraînement sécurisé tout en simulant des situations martiales diverses. En Aïkido, les attaques sont codifiées, les techniques de défense également. Cette codification permet à Uke et à Tori de travailler conjointement à la réalisation de la technique et d'en retirer un intérêt dépassant largement celui d'une simple action d'attaque ou de défense. On pourrait presque parler d'une forme de partenariat entre les deux. Cependant, cela ne veut pas dire que sur le plan purement martial, l'aïkido ne fonctionne pas, mais plutôt que l'exercice codifié sert de support pédagogique durant l'apprentissage et que l'application, quant à elle, permet une réalisation directe de l'action martiale. Je ne conçois absolument pas les codes comme des dogmes, bien au contraire. Ils sont davantage, à mon sens, un système de conventions admis par un groupe en vue de son perfectionnement, sans toutefois rejeter la possibilité de l'existence d'autres codes. L'application réelle en combat est une autre chose, car cette dernière ne répond plus à aucune règle ou codification de par sa nature.
séjour en Amérique du Sud se termine. Et c'est à la fois heureux et satisfait que je vais quitter mes amis argentins avec lesquels je viens de passer des moments inoubliables. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination à Equidon.